Chers amis, bonjour, bienvenue à cette conférence confinée numéro 5, je crois, de fin avril 2020. Donc nous sommes en direct comme d'habitude, alors direct différé, hein, pour des raisons que je vous évoquais de qualité de réseau depuis chez moi, mais on pourra quand même interagir sur le chat et sur le WooClap. Donc aujourd'hui, un super programme qui concerne les prix Nobel de physique. De l'année 2019 et peut-être des autres années dans le passé. Donc on va parler de ça aujourd'hui avec à la fin évidemment quelques conseils de lecture et puis des questions-réponses sur le chat notamment. Alors je fais une annonce pour la semaine prochaine, de début mai, où je compte en fait aborder les notions d'astronomie et d'astrophysique au collège et au lycée. Donc si vous avez des idées, je vais regarder les programmes de l'éducation nationale et puis aborder, faire un tour d'horizon, alors une petite heure, hein, je ne pourrais pas tout faire, mais aborder les notions importantes. Alors j'en ai abordé déjà certaines, mais là je vais faire tout en un. Voilà, les saisons, le système solaire, la Lune, la gravité, la mise en orbite, un peu de spectroscopie, un peu de rayonnement. Voilà, je vais essayer d'aborder tout ça. Alors, je ne l'ai pas encore préparé, mais donc j'espère ne pas vous décevoir en annonçant tout ça. Mais donc la semaine prochaine, l'astronomie et l'astrophysique au collège et au lycée, dans les programmes. Alors, commençons. Connectez-vous sur wooclap.com/astropublic pour pouvoir voter. Alors, vous avez peut-être l'habitude. Voilà, moi. Toujours pas, voilà, je me trompe de fenêtre à chaque fois. L'idée, donc je vais vous mettre ça, ça va être mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du prix Nobel de physique, qui concerne l'astrophysique. Vous savez que l'astrophysique, c'est de la physique. Et puis, on va parler de ceux qui l'ont eu, et puis d'une synthèse, et des lectures, et des conseils, et des questions. Comme d'habitude, je vous conseille de vous connecter sur wooclap.com/astropublic pour vous permettre de donner votre avis et de voter. Alors, vous savez qu'au début, j'aime bien avoir votre âge, comme ça vous permet de tester le système. Donc, connectez-vous et puis on verra la suite des questions. Alors, si vous voulez un résumé de la conférence, il se trouve que je l'ai déjà écrit dans cet article qui est disponible gratuitement sur le web, sur un site très très bien qui s'appelle theconversation.fr, donc theconversation.fr, qui est en fait un site web, un média, dans lequel les scientifiques écrivent exclusivement et sont coachés et aidés par une équipe éditoriale de journalistes professionnels. Et donc, moi j'ai eu la chance de publier avec eux plusieurs fois et c'est vraiment très intéressant, c'est une très belle expérience. Et donc, si vous tapez theconversation.fr, voilà, Hervé Dole, prix Nobel, vous retomberez sur l'article que j'ai intitulé Le prix Nobel de physique 2019 récompense une nouvelle vision de l'univers. Et je détaille en une page et demie, hein, ça se lit assez vite, ce que je vais vous dire là en une petite heure. Et donc j'ai publié ça bah, apparemment en octobre 2019, époque où les prix Nobel, où les prix Nobel sortent. Alors, avant d'attaquer le sujet, j'aimerais que vous me disiez sur WooClap, donc votez, à votre avis, donc il y a eu deux prix Nobel. Enfin, un seul prix Nobel de physique, mais qui récompense deux thèmes différents. À votre avis, quelle est la spécialité de chacun des deux lauréats, même s'il y a trois personnes? Peut-être vous êtes déjà au courant, donc ça, il n'y a aucun souci, on va en parler, mais si vous n'êtes pas au courant, je serais intéressé de savoir, à votre avis, sur quelle thématique travaillent les collègues qui ont eu le prix Nobel en 2019, donc le dernier prix Nobel de physique, dont les noms apparaissent en bas, hein, Jim Peebles, Michel Mayer et Didier Queloz. Et donc, mettez votre nuage de mots que je pourrai regarder après, hein, que je rendrai lisible pendant le direct. Mais je serais intéressé de savoir ce que vous pensez des spécialités de ces personnes. Alors, qui sont ces personnes? Qui sont ces lauréats? Eh bien, les lauréats du prix Nobel de physique sont donc à gauche Jim Peebles, donc première moitié du prix Nobel, et puis deuxième moitié, donc ils se partagent à deux, à un quart, Michel Mayer et Didier Queloz. Alors le prix Nobel, il y a une somme d'argent qui est attribuée par le comité Nobel, mais c'est surtout un prix très prestigieux.
Donc c'est surtout pour ça qu'il est intéressant. Il y a quand même un petit souci avec le prix Nobel, c'est qu'en fait, il couronne des recherches de très très haut niveau, et souvent ce sont des carrières qui sont couronnées, ou des grands résultats, et donc ce sont des résultats qui peuvent éventuellement être un peu anciens. Et donc, il y a une propension à ne couronner que des hommes. Voilà, c'est regrettable, mais il y a souvent beaucoup d'hommes et pas beaucoup de femmes, donc j'espère que ça va changer. Mais effectivement, avec le décalage, voilà, sociologique, hein, temporel, du fait que le prix Nobel couronne des carrières passées et anciennes, il y a ce tropisme pour les hommes, et donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes, et donc il faut que ça change. Et la diversité dans les prix Nobel n'est pas du tout assurée, et donc c'est quelque chose qui est un problème, hein. Voilà, les gens commencent à en avoir conscience, mais il faut plus qu'en avoir conscience. Donc j'espère que parmi les filles ou la diversité des gens qui nous écoutent, il y aura plusieurs prix Nobel futurs qui corrigeront cette mauvaise trajectoire. Voilà. Donc on n'a que des hommes. Et alors, ils ont obtenu ce prix qui a lieu donc tous les ans, hein, dans plusieurs domaines, mathématiques, etc. Enfin bon, même si maths, il n'y a pas justement. voilà, mais il y a chimie, médecine, etc. Donc c'est très attendu, ça se fait à l'automne. Et l'année dernière, donc nos collègues ont reçu le prix Nobel pour Contribution to our understanding of the evolution of the universe and Earth's place in the cosmos, donc pour leur contribution à notre compréhension de l'évolution de l'univers et de la place de la Terre dans le cosmos. C'est quand même des questions assez fondamentales. Donc c'est ce qui est bien, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec vous aujourd'hui, c'est que le prix Nobel de physique, qui donc consacre l'astrophysique cette fois-ci, nous parle de finalement la vision de l'univers qu'on peut avoir, oui, notre vision de l'univers, quelle est notre place dans l'univers, d'où vient l'univers, comment a-t-il été structuré, comment les planètes ont émergé, comment les systèmes planétaires se sont formés, et comment on en arrive là. Et puis, plus spécifiquement, donc Jim Peebles, pour ses découvertes théoriques en cosmologie, cosmologie physique, on dit, on va voir qu'il a eu des apports majeurs. Et puis l'autre moitié, de manière jointe à Michel Mayor et Didier Queloz, pour leur découverte d'une exoplanète qui orbite autour d'une étoile de type solaire. Donc effectivement, en 1995, c'était vraiment une grande épopée et une découverte absolument majeure. Donc on est ravi je suis ravi de parler de ces découvertes. Alors je ne suis pas spécialiste des exoplanètes, donc je vous en parlerai un petit peu, bien sûr, mais peut-être pas avec autant de détails que je pourrais le faire, mais j'en parlerai. Et puis cosmologie, je suis un petit peu plus à l'aise, donc j'en parlerai un peu plus. Donc quand on dit le prix Nobel couronne les exoplanètes, c'est vrai, mais en fait le prix Nobel couronne les exoplanètes et la cosmologie à part égale. Et la cosmologie, c'est une personne, Jim Peebles, théoricien, et les exoplanètes, ce sont deux personnes, donc un quart chacun, Michel Mayor et Didier Queloz. Donc parlons d'abord de la découverte, du contexte des exoplanètes, qui revient donc à Michel Mayor et Didier Queloz. Alors les exoplanètes, c'est quelque chose qui est dans la tête des humains depuis que les humains sont humains. Hein. Dans la littérature, fut-elle de science-fiction, on a cette idée que, d'abord, l'humanité n'est peut-être pas, enfin, la vie sur Terre n'est peut-être pas l'unique vie dans l'univers. Et puis, sans parler même de vie, que bah, voilà, il doit bien exister des planètes autre part dans l'univers que dans le système solaire. Donc cette idée est très présente, enfin était maintenant, elle est confirmée, mais était très présente dans l'imaginaire humain. Mais scientifiquement, effectivement, on n'avait pas encore de preuves que les exoplanètes, c'est-à-dire les planètes qui tournent autour d'autres étoiles, existaient. On parle aussi de planètes extrasolaires. Mais alors je crois que le terme consacré maintenant est exoplanète. Il faudrait faire confirmer ça par les spécialistes. Alors, dans les années 1990, il y a eu plusieurs essais, plusieurs voilà, détections, confirmées plus tard ou pas. Mais la première, quand même, détection vraiment formelle date de 1992,
avec Volsan, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et Frail, donc des radioastronomes hein, de Arecibo, le grand télescope de 300 mètres, vous savez, dans une cuvette d'un cratère naturel. Ils regardaient un pulsar et puis se sont rendus compte qu'il y avait des mouvements et qui ne sont attribuables qu'à la présence de planètes très très faibles, de très très faible masse, hein, trois fois la masse de la Terre. Et donc ils ont eu deux planètes d'un coup, des planètes de type terrestre. Voilà, c'était la première détection. Alors pourquoi elle n'a pas fait autant de bruit que celle qui va suivre, qui a donné lieu au prix Nobel, à Mayer et Kellogg? Parce que ben, c'est un pulsar. Un pulsar, c'est quand même des conditions assez, assez extrêmes. Et donc, c'était une découverte toujours extraordinaire, hein, mais on était quand même un peu loin de l'image des planètes, des exoplanètes qu'on a autour d'une étoile à peu près normale, voilà, avec des orbites à peu près normales. Enfin, voilà. Donc là, c'était quand même la première preuve, à ma connaissance, hein, again, je ne suis pas spécialiste. Mais pour moi qui ne suis pas spécialiste, cette découverte a été, est restée comme une découverte formelle. Voilà. Après, ce n'est pas une étoile de type solaire, donc ça n'a pas été très considéré comme peut-être une première exoplanète intéressante. Donc avant 1995, il y avait, disons, une demi-exoplanète. En fait, il y en avait deux, hein, mais qui, je l'évoquais à l'instant, étaient dans un environnement vraiment pas très... pas très accueillant. Alors, arrive cette très belle histoire de l'Observatoire d'Haute-Provence et de l'équipe suisse, dite suisse, hein, Michel Mayer et Didier Queloz, où ils essayaient d'observer toutes ces activités stellaires. Et ils ont inventé cette instrumentation absolument... de rupture, on dirait aujourd'hui, instrumentation vraiment excellente avec Elodie, faite en collaboration avec les gens de Marseille. Hein, donc c'est les gens de Marseille qui ont vraiment inventé cette partie spectrographe, Elodie. Et puis, alors j'ai pas toute l'histoire en tête, mais voilà qu'ils observent plusieurs étoiles avec ce télescope donc de 2 mètres, hein, 1,93 m. L'OHP est un vieux télescope qui date de la fin des années, voilà, du milieu des années 50, qui devait être à 1,80 m, mais voilà, l'opticien a voulu prendre un peu de marge, et puis finalement c'est devenu 293 parce que le miroir était bon. Donc vraiment monture ancienne, mais qui marche admirablement. Et puis avec cette nouvelle instrumentation, avec un saut en sensibilité et en stabilité, ils ont observé 51 Pégasi. Et puis ils ont obtenu cette courbe qui est restée célèbre, que vous pouvez trouver d'ailleurs dans le dossier relatif au prix Nobel, hein, sur le site de l'Académie Nobel, donc qui est tiré de la référence de leur article. Avec donc sur l'axe horizontal, l'axe X, c'est la phase donc de la rotation. Et puis la vitesse en mètres par seconde, en Y, hein, en ordonnée. Et donc ce qu'on voit, c'est l'étoile qui bouge en avant et en arrière, parce qu'on n'a pas les mouvements latéraux avec l'effet Doppler radial, qui bouge donc d'avant en arrière autour du barycentre formé par l'étoile et la fameuse exoplanète. Et d'autres éventuellement, mais là ils voyaient que celle-là. Et donc, alors je ne sais plus quelle est l'unité, si ça a été normalisé entre 0 et 1, donc de mémoire, voilà, la vitesse, voilà, c'est une cinquantaine de mètres par seconde, et la période, c'est quelques heures, voilà, de l'exoplanète autour de son étoile. Donc c'était absolument merveilleux comme découverte. À plusieurs titres, parce que c'était la confirmation d'une première exoplanète. Également, c'était la découverte d'une planète d'un type nouveau. Parce qu'une Jupiter chaude qui orbite à quelques fractions d'unité astronomique de son étoile, donc une étoile de type solaire, hein, plus ou moins, je ne sais plus son type spectral, mais... ça, c'était essentiellement impossible pour les modèles théoriques de formation des systèmes planétaires de l'époque. Hein, on pensait que les planètes géantes gazeuses froides se formaient très loin et y restaient, point. On n'imaginait pas qu'elles puissent s'approcher
aussi près de leur étoile pour tourner en quelques heures ou quelques jours. Hein. Je crois que c'est 4,2 jours, je ne me souviens plus trop. Hein, Mercure, je crois que c'est 88 jours, donc c'est beaucoup plus proche que Mercure. Une planète géante, une année Jupiter, encore plus proche que Mercure. Donc c'était inenvisageable. Donc double découverte. Les exoplanètes existent bel et bien, autour des étoiles de type solaire. Voilà, pas des pulsars qui sont un petit peu bizarres. Et en plus, on a un nouveau type de planète qu'on n'imaginait même pas. Donc c'est un très grand retentissement, à juste titre. Et tout ça a été fait avec finalement une petite instrumentation, alors de très haut niveau bien sûr, hein, avec mille ruses, beaucoup d'ingénierie, beaucoup de finesse, beaucoup de recherche, beaucoup d'expertise. Là, c'est une photo que j'ai prise il y a quelques semaines à l'Observatoire de Provence, quand j'y allais avec mes étudiants du master. Donc j'adore cet endroit, hein. Je vous encourage à aller le visiter, c'est très très inspirant. Il y a un côté 20e siècle bien trempé, et puis un côté 21e siècle avec la science qui est faite. Donc on navigue entre deux extrêmes, c'est très très inspirant. Puis c'est un site d'une beauté et d'une majesté sans nom, donc je vous le conseille. Si vous le connaissez, vous savez de quoi je parle. Donc ce petit télescope avec cette petite instrumentation, quoique de la meilleure du monde à l'époque sur ce créneau-là, a permis cette grande découverte, finalement, au nez, à la barbe, d'autres équipes, avec d'autres techniques. Hein. Ils avaient changé de technique, j'ai quelques détails en tête, mais je préfère pas trop les évoquer, n'étant pas absolument sûr de ce que je vais dire. Mais cette méthode des vitesses radiales, hein, donc c'est bien ça dont il s'agit, sur la vitesse ici, parce que vous mesurez la vitesse de l'étoile, comme je l'ai évoqué, radiale, parce que vous n'êtes sensible qu'à la vitesse vers vous ou à l'éloignement de vous, hein, ce qui s'appelle radial. On ne voit pas la vitesse transverse, mais on peut tout reconstruire grâce à ça. Donc voilà, belle découverte, beau télescope, et une utilisation très rusée des moyens disponibles. Hein. Ce ne sont pas des manips qui coûtent des millions d'euros, ce sont des petites équipes acharnées. Pareil, ils ne sont pas arrivés comme ça, comme une fleur. Hein. Ça faisait des années qu'ils travaillaient, qu'ils avaient de l'expérience avec d'autres instruments. Donc c'est issu, enfin leur découverte est issue d'un long processus, à la fois instrumental et observationnel. L'appui de l'Observatoire de Haute-Provence, donc du CNRS, grande agence de recherche française, qui c'est tout à sa grandeur, a permis le développement, parce que des personnels ont permis de développer cette instrumentation. Alors depuis 1995, alors moi j'étais étudiant à l'époque, hein, j'étais en DEA, qui est en master aujourd'hui, donc c'était vraiment la grande révolution. Hein. Ça fait 30 ans, 25 ans. 30 ans c'est Hubble là, qu'on fête cette semaine, ces jours-ci. Depuis ce temps-là, on est un peu plus de 4000 exoplanètes. Découvertes, alors certaines vraiment confirmées, d'autres suspectées, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc il y a un champ nouveau qui s'est ouvert. Alors j'allais dire grâce à eux, pas que grâce à eux, parce qu'il y a plusieurs équipes hein, qui faisaient ça, et puis c'était les premiers à découvrir ça, mais il y a plusieurs équipes, mais c'est un champ très fertile, et puis qui a explosé, qui est très actif, parce que ça a remis en cause la manière dont on pensait la formation des systèmes planétaires, donc avec maintenant des histoires de migration de planètes. Donc effectivement, les planètes géantes se forment bien, bien loin, mais elles migrent au cours de leur histoire et elles peuvent effectivement résister et survivre proche de leur étoile, même si elles sont géantes gazeuses. Tout ça est maintenant possible. Alors j'aime bien ce graphe qui date d'il y a quelques années, le tableau en haut à droite, hein, avec les exoplanètes découvertes, je crois, en date d'il y a 2 ans. En bas à gauche, vous avez Coro, hein, le satellite européen, mais avec une très grosse composante française, hein, qui a découvert dans les années 2000 plein d'exoplanètes, et en particulier des exoplanètes proches de type terrestre, avec des planètes océans, enfin tout un tas de planètes extrêmement variées et assez inattendues.
Il y a récemment Thess de la NASA qui a aussi découvert des planètes dans la zone habitable, dans leur zone habitable. Alors Thess pas tout seul, hein, parce que Thess c'est pas assez précis, mais avec Spitzer, avec d'autres instrumentations. Voilà, donc on va de tout, la Jupiter chaud à la super Terre, éventuellement à l'exoterre, donc l'équivalent en termes de masse et de zone d'habitabilité d'une Terre, mais en exoplanète. Alors revenons au tableau un instant. Sur ce tableau, vous voyez sur l'axe horizontal la masse des planètes, hein, donc petite masse à gauche, grosse masse à droite, hein, en gros des mini-mercures à gauche, hein, donc sur la colonne de gauche, et des Jupiter sur la colonne de droite. Et puis de haut en bas, des planètes qui sont proches en haut et lointaines en bas de leur étoile. Donc zone chaude, la ligne du haut, et zone froide, donc éloignée, la ligne du bas. Et puis au milieu, zone tempérée pour les exoplanètes. Donc on classe les exoplanètes de cette manière. Et le chiffre indique, donc il y a 2 ans, hein, ou je ne sais plus combien, le nombre d'exoplanètes dans chaque catégorie. On voit que les catégories les plus représentées en termes de nombre de détections, c'est la ligne du haut, en haut à droite. Hein, si je pars de la droite et je vais vers la gauche, hein, donc 827, en gros, Jupiter chaud, 776, Neptune chaude, 971, Super Terre, et puis éventuellement 614, Terre, mais très proche de leur étoile. Donc on a envie de dire, dans l'univers, alors bon, en fait on est dans notre galaxie, on est très très proche même, hein, mais il y a quand même plusieurs milliers d'étoiles sondées, donc... en tout cas centaines, oui, parce qu'il y a des systèmes multiples. On voit que la majorité des planètes, des exoplanètes, sont plutôt dans leur zone chaude, si on s'en tient aux chiffres de détection. Et puis plus on va vers la zone tempérée, la zone habitable, et la zone froide, c'est-à-dire loin de l'étoile, il y a de moins en moins de planètes détectées. Et puis si on va en plus aux petites masses, là il y en a encore de moins en moins, avec parfois zéro détection. Donc on pourrait se dire, dans l'univers, ou en tout cas dans la galaxie, il y a essentiellement des planètes dans leur zone chaude. Alors c'est sans compter qu'il y a des biais statistiques. Alors j'aime bien montrer cette image de vulgarisation, mais qui est très parlante, qui illustre les fameux biais statistiques. Alors je vous racontais cette histoire que j'adore raconter dans mes conférences, même de cosmologie et même entre professionnels, mais ça, les gens aiment bien. Alors, c'est d'ailleurs illustré, attendez, c'est ce que je l'ai le bouquin. Oui, je l'ai là, tiens, je vais vous le montrer. Je l'ai trouvé dans ce super bouquin que je vous conseille, L'art de ne pas dire n'importe quoi, qui parle en fait de mathématiques. Ce que le bon sens doit aux mathématiques. Alors, j'ai pas d'action chez Cassini, qui est l'éditeur, ni chez monsieur Jordan Helberg, mais c'est un bouquin de maths qui est très très bien, comme d'autres bouquins de maths, hein, que j'ai. Je ne veux pas tous vous les sortir, mais donc maths grand public, hein, que je vous conseille. Et donc il remet au goût du jour cet exemple. Alors vous êtes pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous êtes des militaires, et vous faites l'analyse des impacts de balles rouges, hein, alors c'est un dessin, hein, c'est, ici, mais l'analyse a été vraiment faite. Vous faites l'analyse des impacts de balles des avions qui reviennent, et votre but en tant que militaire, c'est de renforcer votre avion, vos avions. Alors le problème, si vous renforcez, c'est-à-dire vous rajoutez du blindage, c'est que vous l'alourdissez. Donc, et donc il devient moins performant, et donc plus fragile, enfin plus vulnérable. Donc c'est une question d'optimisation et de compromis. Donc si vous mettez du blindage à des nouveaux endroits, il faut peut-être en enlever ailleurs, et donc une question d'optimisation que les matheux connaissent bien. Donc les militaires ont fait cette analyse, ils l'ont d'ailleurs fait faire par un bureau composé de mathématiciens civils. Les militaires ont dit, c'est simple, hein, on voit les impacts, on se dit, on va renforcer là où il y a les impacts de balles rouges, hein, les points rouges, là, donc on va renforcer le bout des ailes, etc. Et puis il y en a un qui s'appelle Abraham Wald, qui est un statisticien très célèbre, qui s'est dit, non. Il s'est posé la question de d'où viennent les données. Les données proviennent des avions qui sont revenus. Mais quid des avions qui ne sont pas revenus? On n'a pas les données. Et donc,
les données qui sont disponibles ici sur cette image sont déjà issues d'un biais de sélection. Alors parfois on appelle ça le biais du survivant, etc. Mais enfin bon, nous en science on parle plutôt de selection effect, donc d'un effet de sélection, qui fait que la mesure que l'on a est déjà issue d'une certaine sélection. Donc si on veut vraiment avoir une vue globale, il faut imaginer ce qui nous manque. Et donc c'était très facile d'imaginer pour eux ce qui manquait. Ce qui manquait, c'était les avions détruits avant de rentrer, et donc touchés au niveau des moteurs et du cockpit. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de point d'impact, parce que ceux qui ont été touchés, eh ben, ne sont pas revenus. Donc il faut faire attention quand on fait une analyse, de ne pas aller trop vite en besogne, et de dire au contraire, dans ce cas d'espèce, hein, de renforcer les avions. Il faut encore plus les renforcer au niveau du moteur, du cockpit, enfin bref, là où il n'y a pas de point rouge, parce que bah, ceux qui ont été touchés là ne sont pas revenus. Voilà. Et il n'y a que ceux qui sont revenus donc de manière, disons, minime ou bénigne, qui ont des impacts à ces endroits-là. Donc ça veut dire que ces endroits-là ne sont pas critiques. Donc vous voyez, même dans des cas très simples, enfin bon, voilà, là c'était la guerre, tout ça, hein, mais dans des cas très simples, il y a des effets, qu'on peut qualifier de subtils ou pas, mais voilà, qui sont non négligeables. Donc ce qu'on voit, cette table avec ces chiffres, est elle-même issue d'effets de sélection. Alors quels sont ces effets de sélection? Alors sans être moi-même complètement spécialiste, il y a des sélections d'observation qui font que, en tout cas pour la méthode des vitesses radiales, c'est beaucoup plus facile d'étudier une planète massive et proche de son étoile qu'une planète très peu massive et très loin de son étoile. Donc il y a un effet de, on arrive à détecter les planètes, les exoplanètes qui sont les plus faciles à détecter, étant donné une capacité instrumentale, des sensibilités, des précisions de mesure, etc. Donc c'est un effet finalement de sélection, de coupure instrumentale, hein, qui fait que bah, vous détectez les signaux qui sont les plus faciles. Hein. C'est un peu comme quand vous faites des photos d'étoiles, hein, et ben, vous voyez les plus brillantes. Voilà, il n'y a pas de secret. Ben, là, on voit les signaux les plus évidents. Et pour aller gratter les signaux les moins évidents, donc, où il y a des petits chiffres, et ben, il faut une instrumentation beaucoup plus avancée, qui n'est soit pas encore disponible, soit disponible que sur un tout petit nombre d'étoiles, et donc ça prend plus de temps. Donc il y a plein de méthodes de détection d'exoplanètes, là je parlais de la mesure des vitesses radiales, TESS fait des transits, tout comme Corot et Kepler, Plateau fera ça aussi, hein, mission européenne, bientôt lancée, enfin dans quelques années, donc, puis il y en a plein d'autres, il y a le lensing, enfin micro-lensing, etc., donc il y a tout un bestiaire de méthodes qui se complètent, et qui maintenant donnent des armes aux collègues pour vraiment traquer ces exoplanètes. Donc c'est passionnant parce que c'est de la belle physique, de la belle astrophysique, il y a de la statistique, et puis il y a aussi toute la modélisation des atmosphères. Maintenant, les collègues, alors pareil, je ne suis pas spécialiste, mais arrivent à avoir des mesures sur les atmosphères d'exoplanètes, hein, en faisant du on-off, entre le moment où c'est devant ou derrière l'étoile, enfin surtout dans l'infrarouge, ou parfois même, je crois, dans l'UV avec le Space Telescope. Donc il y a vraiment tout un champ qui s'est développé. Donc ça, c'est assez formidable. Donc voilà, alors l'Observatoire d'Haute-Provence, qui était un haut lieu de la détection et des programmes d'exoplanètes, hein, je dis, j'y étais il y a quelques semaines avec mes étudiants, et puis donc Guillaume Hébrard, qui est un ami et collègue, nous a fait visiter le 193, et puis lui aussi, hein, tout comme François Bouchier et d'autres, font des programmes de quasiment quotidien d'observation des exoplanètes. Et donc moi j'emmène mes étudiants observer pour faire des projets d'astrophysique, hein, donc les universités sont en pointe là-dessus, quasiment, je crois, toutes les universités françaises qui ont un master d'astrophysique, ou disons regroupement d'universités, vont à l'OHP ou ailleurs, hein, selon l'endroit. Hein. Je crois qu'il y en a qui vont à Grasse. Et donc, ben, voilà, nous allons à l'OHP, donc c'est un endroit auquel je suis très attaché, et donc j'y fais de belles photos, même si moi je ne fais pas de recherche en exoplanètes. Avec les étudiants, je fais des projets de détection par transit d'exoplanètes. Alors c'est l'occasion de belles images, hein, à gauche avec le LIDAR de la station de géophysique Gérard Mégie, qui sont de la haute atmosphère, hein, avec un beau ciel et une belle voie lactée, en haut voilà, une belle vue de la maison Jean Perrin, en bas un petit groupe d'étudiants, à droite le 80 qu'on utilise aussi très souvent, donc nous on utilise souvent le 80, le 120 et le 152 pour faire de la spectroscopie et des projets scientifiques pour les étudiants qui mènent pendant une semaine.
Là aussi, donc le 193 avec le groupe d'il y a quelques semaines. Alors, tous n'étaient pas là parce que certains dormaient encore en fin de journée, parce que les nuits sont longues, mais voilà, donc on fait des belles choses et donc on essaie nous aussi à notre niveau de former les générations de demain, de scientifiques ou d'enseignants, parce que tous ne deviendront pas astrophysiciens et ce qu'on veut, c'est vraiment former par la recherche les nouvelles générations pour qu'ils aillent faire de l'enseignement ou des métiers dans d'autres domaines, aient cette fibre et aient cette connaissance des méthodes de la démarche scientifique, dont on voit aujourd'hui avec voilà, la crise sanitaire que cette méthode scientifique n'est pas partagée par tout le monde. Voilà, quand on, comme dirait Coluche, quand on voit ce qu'on voit et quand on entend ce qu'on entend, on n'est pas mécontent de penser ce qu'on pense. Effectivement, il y a des choses absolument terribles qui sont racontées par méconnaissance de la méthode scientifique. Voilà donc pour la partie détection, découverte d'exoplanètes, et donc mise en perspective de notre système solaire, de notre planète, donc de l'évolution qui a eu lieu, grâce à cette découverte et puis à tous les travaux d'autres collègues aussi. Alors on passe à la deuxième moitié du prix Nobel, pas à Jim Peebles pour la cosmologie. Alors Jim Peebles, c'est une autre histoire. Jim Peebles, lui, il est... alors j'ai pas des photos de lui, j'ai des photos dans les documents, mais j'ai pas eu le temps de les rassembler. Jim Peebles, lui, c'est un théoricien. Mais c'est un théoricien qui s'intéresse aux données, mais à ma connaissance, hein, pareil, je l'ai croisé deux fois hein, dans les conférences pour le satellite Planck notamment, mais je le connais pas personnellement. Je crois pas qu'il ait touché aux données, mais il s'intéresse énormément, parce qu'évidemment, il sait bien que les données et la théorie se parlent. Et une de ses premières publications, figurez-vous, que ça concerne rien de moins que la découverte du fond cosmologique, donc publié en 65, mais effectué en 64. Petit rappel historique, en 1964, Penzias et Wilson utilisent ce fameux radiotélescope ultra-froid, extrêmement sensible, et trouvent un rayonnement qu'ils n'arrivent pas à comprendre et interpréter, et sur le ciel, hein, puisque le reste, ils y arrivent, hein, le mesure de bruit de l'atmosphère parfait, ils enlèvent les pigeons, les fientes de pigeons dans le télescope pour s'assurer que ce n'est pas l'émission micro-ondes des fientes de pigeons qu'ils sont en train de détecter, ils ont une analyse de leur bruit extrêmement fine, enfin, ils sont vraiment hyper pro, tout marche très très bien, mais ils ont un petit bruit résiduel du ciel qu'ils aimeraient comprendre, et ils ne lâchent rien. Ils sont pas sur le mode, parce que c'était pas énorme, hein, c'était 3 Kelvin, donc je dis, ben, voilà. Par rapport au... Alors je sais plus, j'ai un papier de Peebles là, que j'ai retrouvé. Alors j'ai pas eu le temps de vous le mettre, je sais pas si vous le voyez. Je vais vous le mettre quand même. Voilà. Papier de Jim Peebles, qui parle, donc les early days, cosmology's early days, donc les premiers jours de la cosmologie, et Jim Peebles a publié ça... 100 ans de l'IAU, bah ça veut dire il n'y a pas longtemps, parce que c'était il n'y a pas longtemps, je sais pas, j'ai pas l'année, j'ai trouvé ça ce week-end, décembre 2019, voilà, donc bah, ça date d'il y a 5 mois, et il fait une petite, enfin bon, Peebles c'est absolument un plaisir à lire, il est d'une concision, d'une précision, d'une clarté, enfin c'est un vrai bonheur. Et donc, il met le schéma technique des Bell Labs, donc de Penzias et Wilson, donc vous reconnaissez l'antenne. Je vais y arriver. L'antenne qui est ici, donc le ciel est là, va à l'intérieur et hop, va là. Je vais entre la droite et la gauche avec cette caméra, c'est toujours un bonheur de se planter. Et donc vous voyez en fait, alors bon, je ne peux pas vous mettre le doigt, mais donc là pareil, le rayonnement du ciel arrive par le haut et puis va dans ce télescope. Bon, j'espère que vous avez percuté. Et donc, alors je ne sais pas si on arrive bien à voir, mais probablement pas. Mais ils mettent les températures à chaque fois. Je vais y arriver. Ils mettent les températures de chaque contribution, le ciel, l'amplificateur, le détecteur, etc. C'est très très précis. Hein. Et ils mettent, alors vous ne le voyez pas, mais ils mettent Direct Sky Noise 2,5 Kelvin. Voilà, mesure. Et ça vient effectivement des Bell Labs des années 64. Donc la découverte de Penzias et Wilson. Donc ils ont découvert un rayonnement très bien mesuré, mais dont ils ne connaissent pas l'origine. Alors ils vont voir, ils entendent parler, parce que, comme je disais, ils lâchent rien. C'est ça vraiment leur,
leur grande qualité, ils lâchent absolument rien. Et donc, au fur et à mesure, bah, les gens commencent à en parler, etc. Et certains leur disent, mais allez voir à Princeton, il y a un groupe de geeks qui aussi est en train de monter une antenne froide pour mesurer quelque chose qui doit être lié à ça. Et effectivement, Dick et ses collègues étaient en train de construire un petit radiotélescope pour détecter cette fameuse prédiction du fond cosmologique en vue de le détecter. Sauf que Penzias et Wilson arrivent, la bouche en cœur, coucou, on vient de le détecter. Et donc, il y a deux articles assez extraordinaires que je vous ai reproduits ici, alors, je vais vous le mettre en grand, de Astrophysical Journal de 1965, avec à gauche, alors je l'ai coupé à une page, hein, bon, il n'est pas très long l'article, il fait deux pages et demie, à gauche, l'article de Penzias et Wilson, intitulé A Measurement of Access Antenna Temperature at 4 GHz. À gauche, et puis à droite, tout simplement, Cosmic Blackbody Radiation, donc radiation du corps noir cosmologique, signé par Dick, Peebles, Roll et Wilkinson, donc les cosmologistes de l'époque. Et Peebles raconte qu'en fait, ils n'étaient pas au courant, l'équipe de Dick, ils n'étaient pas vraiment au courant des prédictions de Gamow, qui avait pour le premier, enfin l'équipe de Gamow, prédit l'existence du fond cosmologique et de sa température. Donc c'est Peebles qui a été chargé dans l'équipe, hein, c'est relaté là-dedans et dans d'autres articles, de faire les prédictions pour voir si ça correspond aux éventuelles mesures. Donc lui, il est jeune, alors je sais pas s'il était en thèse ou s'il était déjà jeune docteur, mais en tout cas, voilà, ils lui disent de faire ça. Et donc il co-signe, en deuxième auteur, l'article qui est juste avant Penzias et Wilson, en disant ben, ce qu'ont découvert nos amis Penzias et Wilson, c'est le fond cosmologique, parce que nous, on le prévoit bien. Alors j'ai souligné quelques petites lignes, je ne sais pas si vous verrez dans la vidéo, mais à gauche, dans l'article de Penzias et Wilson, ils disent, donc en haut, hein, une possible explication pour cette excess noise temperature, donc pour ce bruit supplémentaire. Donc une possible explication est donnée dans l'article juste à côté de Dick, Peebles, Raleigh et Wilkinson dans la lettre qui accompagne cet article. Et puis donc voilà, donc eux en gros l'article c'est juste on a mesuré ça, débrouillez-vous pour l'interprétation, voyez à côté. Et à la fin ils disent on est vraiment vraiment reconnaissant de Robert Dick et toute son équipe pour les discussions. Vraiment fruitful, donc discussion fertile, avant la publication. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup échangé avant, et c'est ce qui a fait la force de ces deux articles. Et puis à droite, donc l'article de Cosmic Blackbody Radiation, où dans la conclusion, Dicky, Peebles, Roll et Wilkinson disent alors on n'a pas encore toutes les données en main, parce que notre instrument, voilà, mais si nous faisons l'hypothèse que les mesures de Penzias et Wilson, parce que j'essaie de traduire en même temps, c'est pour ça que j'hésite, mais ils disent voilà, en fait, on peut faire l'hypothèse qu'effectivement les mesures de Penzias et Wilson donnent le corps noir cosmologique à 3,5 Kelvin. Et puis à la fin, ils remercient aussi très profondément l'aide de Penzias et Wilson, des Bell Labs, pour la discussion et les mesures précédentes. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis dans l'article de Dicky, Peebles, Roll et Wilkinson, vous avez un petit graphe là que vous voyez pas, que j'ai mis juste pour illustration, qui est l'histoire thermique de l'univers. Donc c'était parmi les premiers à montrer cette histoire thermique de l'univers qui correspond au modèle du Big Bang Show. Donc c'est vraiment une avancée de mesures conceptuelles majeures. Et Peebles joue un rôle déjà dans peut-être le papier le plus important de la cosmologie d'après-guerre, qui est l'interprétation. Alors aujourd'hui, à l'université, même si ça date d'il y a 10 ans maintenant, on peut refaire l'expérience de Penzias et Wilson avec du matériel beaucoup plus rudimentaire. Évidemment, la technologie a évolué entre-temps. On prend une antenne satellite qu'on détourne un petit peu. On le change en récepteur de Dicky. Donc ça, c'est mon collègue et ami Michel Pia qui a fait tout ça, parce que lui, c'est un instrumentaliste, qualité que je n'ai pas. Et donc là, on voit sur la photo de droite, à Paris, sur le toit de l'APC, l'Université de Paris, en train de détalonner avec de l'azote liquide, parce qu'il faut un point de référence, donc à 77 Kelvin, et puis après on faisait des scans sur le ciel, et avec les étudiants du Master 2,
on retrouvait la manip de Penzias et Wilson, et donc on retrouvait la température, le bruit résiduel sur le ciel, qui donc provient du fond cosmologique. Et donc en un petit après-midi, alors il faut quand même une bonne journée en fait, hein, entre la partie théorique, la partie programmation, analyse de données, etc., mais disons, en quelques heures, on arrive maintenant à refaire la manip de Penzias et Wilson à l'université ou dans des festivals, parce que je sais que Michel a été dans plusieurs festivals, notamment à Florence et ailleurs, pour le bonheur de tous. Donc on fait ça. Alors moi je ne la fais plus cette manip, mais enfin, c'est génial à faire avec les étudiants. Alors la suite de l'histoire, bah, c'est que donc il y a une prédiction du corps noir cosmologique. Et en 89, avec le satellite Kobe, la NASA, eh ben, il y a cette première mesure extraordinaire, donc, qui donne le prix Nobel notamment à John Mather, pour la preuve du corps noir cosmologique. Donc vous avez la fréquence en abscisse et puis l'intensité sur le ciel en ordonnée. Et donc là, voilà la preuve que ce qu'on mesure, c'est bien un black body. Et donc ça, Peebles voilà, l'avait calculé et prédit. Il est même allé plus loin. Il est allé au-delà des mesures de Kobe à l'époque, en disant, mais si on veut comprendre les galaxies telles qu'aujourd'hui, etc., il faut de la matière noire non baryonique, parce que sinon on l'aurait déjà vu. Il faut de la matière noire non baryonique, et il avait prévu, c'est un des premiers à prédire, les fluctuations du fond cosmologique qui, à l'époque, n'étaient pas détectées. Elles ont été détectées quelques années après, en 92, après 3 années d'intégration de l'instrument DMR, donc mené par George Smoot à Berkeley. Et voilà, la première carte des fluctuations du fond cosmologique, donc lors du quasiment du millionième, voilà, micro-kelvin, donc millionième de degré, c'était les premières détections qu'il y avait effectivement des mini-fluctuations. Et ça, Peebles l'avait prédit. Donc Peebles n'a pas pris part, je crois, à l'analyse des données, hein, mais c'était, il est toujours en avance de phase sur les mesures qui sont faites. Et dans les articles qu'il a écrits, il insiste en disant bah, j'ai vécu, alors non pas l'âge d'or, parce qu'on peut dire que l'âge d'or de la cosmologie continue quotidiennement, mais il a vécu l'émergence de la cosmologie comme une science vraiment physique et une science quantitative, avec des prédictions, des mesures, et un peu cet emballement entre les deux. Et c'est vrai que ces apports sont vraiment extraordinaires. Alors, la mesure des fluctuations du fond cosmologique se sont améliorées. Hein. Alors, je pense que vous êtes familier avec le CMB, mais donc Cosmic Microwave Background. Mais donc, ce sont les fluctuations de l'univers primordial qui, à un moment, s'arrêtent parce que la lumière se découpe de la matière et c'est ce qu'on voit. Mais ces fluctuations correspondent à des oscillations, pression, hein, donc matière noire et matière baryonique. Et puis. Pression de radiation qui contrebalance tout ça et donc des oscillations. Et pour expliquer ces oscillations telles qu'on les voit, il faut mettre de la matière noire. Hein, on ne peut pas y échapper. Actuellement, il n'y a pas vraiment d'autres pistes vraiment, vraiment crédibles, même s'il y a évidemment des pistes de recherche qui sont très, très prometteuses, hein, autres que la matière noire. Mais effectivement, là ça marche très, très bien avec la matière noire. WMAP 7 years, et puis évidemment la meilleure image jamais... obtenu sur les fluctuations du fond cosmologique en température sur tout le ciel, c'est évidemment Planck, il y a quelques années, et j'ai eu la chance de participer à cette aventure. Je regarde ma montre pour pas faire trop long. Et donc aujourd'hui, on arrive au modèle lambda CDM, donc lambda pour constante cosmologique, hein, ou toutes ces variantes, hein, voilà, énergie sombre, etc. Et CDM pour cold dark matter, donc matière noire froide, et Peebles, à chaque fois, en avance de phase, a mis les équations. Ah, alors, non pas prédit ce qui allait se passer, mais il a dit, si on met de la matière noire et si on met de l'énergie sombre, ça risque de résoudre pas mal de choses. Et effectivement, les mesures sont arrivées après. Et à chaque fois, Peebles avait mis le cadre qui permettait d'interpréter toutes ces données. Et donc, de ne pas être trop dans le brouillard, même si on l'est un petit peu. Et donc, on arrive à cette fameuse image du fond cosmologique... du camembert cosmique, alors issu de l'analyse du fond cosmologique, mais aussi des oscillations baryoniques acoustiques, hein, dont peut-être on vous parlera, et peut-être que vous êtes au courant, de la mesure des corrélations des galaxies qui trace les échelles privilégiées d'oscillation des baryons. Et donc on arrive, voilà, à une grande partie d'énergie sombre, une grande partie de matière noire et une toute petite partie de matière ordinaire. Et ça, on n'y échappe pas, c'est vraiment quand on fait l'ajustement de plein de données en même temps. Alors, je vais pas vous raconter toute la littérature de Jim Peebles, mais je crois vous montrer deux extraits. Donc de son article qui est sorti en 2015, qui s'appelle Dark Matter, qui est donc celui-ci,
qui est court et qui est un bonheur à lire, hein, comme tout, si vous aimez. Alors, voilà, Dark Matter, donc ça fait 3 pages, et il n'y a pas de chemin, mais c'est un vrai bonheur à lire. Je ne t'arriverai pas à l'éloge. En plus, c'est quelqu'un de très simple, de très... Enfin, c'est merveilleux, cet homme est merveilleux. Je connais, non pas que les deux autres le savent pas, mais les deux autres, je les connais quasiment pas. J'ai dû les croiser une fois, mais donc ils sont probablement très très bien aussi. Mais voilà, c'est moi, ma communauté. Donc, alors, dans un des paragraphes vers la fin, il dit... c'est toujours bien de questionner l'autorité. L'autorité étant, par exemple, alors certains disent le dogme de la matière noire et de l'énergie sombre. En tout cas, le fait que la matière noire et l'énergie sombre sont très favorisées par toutes les analyses que nous faisons aujourd'hui. Donc il dit, c'est toujours bien de questionner cette autorité, c'est-à-dire ce modèle un peu standard, et de dire, est-ce qu'il existe une cosmologie qui soit donc dark matter free, donc qui soit sans matière noire, mais qui permettent de passer tous les tests d'ajustement des données qui existent, aussi bien que le modèle standard, lambda CDN, donc avec constante cosmologique et matière noire froide. Donc il dit, il faut se poser la question, est-ce qu'il existe des modèles sans matière noire qui ajustent aussi bien? Et par exemple, il cite que la théorie monde, donc qui est une manière d'aborder la gravité sans matière noire, pourrait être une piste. Et il dit, bah, effectivement, on peut pas réfuter le fait que, bah, à un moment, il y a un modèle sans matière noire qui marche aussi bien, mais pour l'instant, on l'attend. Il dit également, on peut pas réfuter le fait qu'il y ait une physique alternative qui ne soit pas celle qu'on apprend dans les livres de physique et qu'on pratique aujourd'hui. Il conclut, c'est la fin de la partie que j'ai soulignée en rouge, il dit, on peut seulement noter que cela apparaît extrêmement peu probable. Donc il est très honnête en disant, bah, en fait on ne sait pas, mais à ce jour, tous les faisceaux montrent que les autres alternatives sont peu probables. Mais il ne se bouille pas, parce qu'il sait très bien qu'en tant que scientifique, voilà, on ne peut à la fois pas prouver une théorie, et puis l'histoire de la science nous montre qu'il est, hasardeux de faire des prédictions sur quelle théorie sera la bonne. Et donc après, il parle de matière noire, d'énergie sombre, etc. Et puis j'aime bien un de ces paragraphes aussi, je crois que je vais finir là-dessus, sur le rôle de la théorie et des observations. Il dit, on fait des progrès dans les idées, sous-entendu la théorie, et les mesures que nous faisons nous inspirent, et elles aussi, elles défient ces idées. Et ce procédé... Cette procédure qui confronte idée, théorie et mesure, observation, qui se répète, qui se tourne, permet un progrès par des approximations successives. Il n'y a pas un moment la théorie qui sort, etc. Tout ça se fait un peu en tâtonnant. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Parce que pareil, traduire en direct. Alors, we make progress ideas and measurements that inspire and a process. Oui, alors, donc ce procédé peut réduire ou tuer certaines théories, mais celles qui restent peuvent être autorisées à entrer dans ce qu'on appelle la science canonique établie. Tout ça étant effectivement transitoire, parce que ce qui est considéré comme science canonique établie à un instant T peut la fois d'après non pas être complètement réfuté, hein, mais en tout cas être amélioré et avoir une vue différente. Hein. Newton est toujours bon à l'échelle qui convient. Hein. Après, Einstein n'a pas détrôné Newton pour tout ce qui est l'essentiel des applications, mais effectivement pour pas mal de sujets dans lesquels l'énergie ou la vitesse sont impliquées, sont très grandes, là effectivement Newton n'est pas assez, la gravité de Newton n'est pas assez précise, donc c'est ce qu'il appelle l'approximation successive. Donc la synthèse que je vous propose pour ces prix Nobel, c'est que d'abord c'est une très belle aventure humaine pour ces personnes-là, hein, voilà, après, on ne se lève pas tous les matins en cherchant le prix Nobel, mais on ne peut que reconnaître que l'apport de ces 3 personnes, et puis des équipes, et puis de leurs équivalents, parce que voilà, a été très, très, très important. On peut néanmoins noter
des choses quand même très très différentes dans les approches de Jim Peebles d'une part et de Meyer Akelhaus d'autre part. La première, c'est que l'un est théoricien, Jim Peebles, Meyer Akelhaus sont des observateurs et des instrumentalistes. Donc c'est heureux que le prix Nobel reconnaisse l'apport de manières de faire de la science qui sont essentielles, les deux, mais pas plus l'une plutôt que l'autre. Les deux sont nécessaires, donc un théoricien et deux observateurs instrumentalistes. Deuxièmement, les deux thématiques sont vraiment différentes, hein. L'univers primordial et la conception qu'on a de l'univers, d'une part, hein, Jim Peebles, et puis l'émergence des exoplanètes, d'où viennent les systèmes planétaires, donc à plus petite échelle, plus proche de nous, avec Meyer et Kelos. Mais les deux problématiques concernent les grandes questions des origines. Hein, origine de l'univers, origine des grandes structures, origine des systèmes planétaires, et puis par extension, origine de la vie, si on veut aller jusque-là, mais là, ça dépasse le juste l'astrophysique. Ce que j'aime bien aussi, c'est que un des prix Nobel de cette année sanctionne en quelque sorte une très grande découverte. C'est-à-dire la découverte des exoplanètes a marqué une rupture, un changement de paradigme dans la science, la philosophie, l'art, la culture, notre manière de penser le monde. C'est une grande découverte. Il y a eu un avant et un après 95 à la découverte de l'exoplanète 51 Peg. Donc très grande découverte. Peebles, c'est pas du tout lui faire des honneurs en disant qu'il n'y a pas de grande découverte. Il n'a rien découvert. Tout au long de sa carrière, il a tissé un cadre qui est devenu le plus précis, il a ensemencé des idées sur des décennies, sur des travaux qui ont abouti à des grandes découvertes, hein, le fond cosmologique, les fluctuations du fond cosmologique, matière noire, etc. Donc lui, il a inspiré et il a guidé des générations de théoriciens, d'instrumentalistes, d'observateurs. Mais lui, il n'a pas fait la découverte du siècle. Donc ces deux approches sont très complémentaires également, et moi je suis absolument ravi que le prix Nobel mette en lumière ces deux approches. La découverte du siècle, exoplanète, et bah, pas de découverte du siècle, mais un travail de fourmi qui a vraiment permis de cadrer et de penser l'univers dans son ensemble, ce qui est quand même très très difficile. Et donc la notion de temporalité et de carrière est aussi différente. Hein, Peebles, son prix Nobel sanctionne toute une carrière vraiment avec des apports majeurs pour vraiment révolutionner cette vision de l'univers. Et puis Meyer et Kelos, c'est une période un petit peu plus courte dans leur carrière qui a abouti à cette magnifique détection. Alors leur carrière continue, hein, voilà, évidemment, et puis elle est bien passée, mais c'était un petit peu plus court. Néanmoins, ce caractère relativement court de la découverte de 51 Peg pour les exoplanètes est issu de plusieurs années de travail. Donc en fait, la quête des origines au sens large, hein, univers, grandes structures, galaxies, planètes, systèmes planétaires, nécessite du temps long. La recherche de pointe nécessite du temps long et un investissement continu long, de type théorique, de type instrumentaliste, de type observation, tout est possible, mais il faut des temps longs. C'est ça la clé, peut-être la meilleure leçon de ces deux prix Nobel. Et puis, Peebles, je trouve le prix Nobel de Peebles comble une injustice, parce qu'en 65, il avait pas, enfin, donc en 76, hein, la découverte du CMB en 65 par Penzias et Wilson, qui est majeure et qui est incontestable, on aurait peut-être voulu voir aussi les théoriciens qui avaient interprété les mesures avoir aussi le prix Nobel. Donc c'est avec Peebles, c'est ce qui vient d'être fait, avec un peu de retard, mais c'est quand même très très bien. Donc voilà, on met en lumière l'excellence de sa carrière et aussi de ses premiers résultats qui ont permis de comprendre ce que c'est que le fond cosmologique et donc des pans entiers de la cosmologie. Donc je regarde l'heure, il me reste encore quelques minutes, je voulais tenir en une heure. Je vais peut-être passer là pour le coup très rapidement, parce que c'est une conférence que je voulais proposer, mais que je n'ai pas eu le temps de préparer. Donc là, je vous en donne finalement une sorte de brouillon. Là, j'ai parlé des prix Nobel de 2019, mais il y a aussi d'autres prix Nobel dans l'histoire de la physique récente, hein, qui sont en lien avec l'astrophysique. Donc là, je me suis concentré sur les derniers, parce qu'évidemment, c'est d'actualité, et puis ça m'a permis d'en parler
aux étudiants, voilà, aux collègues. C'est toujours sympa de parler des prix Nobel, surtout quand on connaît un petit peu, on en a croisé, donc ça c'est vraiment agréable. Mais alors, il y en a eu d'autres, puis en plus il y a des histoires plus ou moins honnêtes derrière. Alors, donc je fais vite, hein, pardonnez-moi parce que c'est pas prêt dans mon esprit, mais je voulais vous faire un petit panorama, donc ça va un peu vite, je vous prie de m'excuser. Alors en 2017, on avait eu un prix Nobel sur les ondes gravitationnelles. Hein, avec donc Weiss, Barish et Kip Thorne. Donc pareil, là aussi, je parlais de décennies de carrière consacrées à ça. Alors les ondes gravitationnelles, c'est pareil. Hein, voilà, ils s'y sont mis il y a 40 ans, avec des instrumentations, mais d'un niveau et d'une qualité extraordinaire. Mais il y a 40 ans, ils savaient qu'ils n'y étaient pas. Mais voilà, ils n'ont rien lâché. Les prédictions théoriques, notamment de l'école française, hein, Thibaud Damour, Luc Blanchet, etc., sont venus en rajouter, et puis évidemment Jean-Pierre Lubinet, etc., sont venus en rajouter, et donc tout cet effort finalement a convergé, et ça c'est assez extraordinaire. Donc là c'est mérité. Bon, il y avait aussi un Français qui était impliqué depuis le début avec des avancées majeures, donc voilà, il y a toujours des histoires un petit peu de sélection, mais en tout cas ce domaine était vraiment, vraiment bien mérité. Donc ça c'était 2017. En 2015, on a eu Kajita et McDonald sur la découverte de l'oscillation des neutrinos. Alors c'est plutôt de la physique des particules, mais c'est essentiel parce que l'astrophysique a une contribution majeure dans ce procédé, parce que en gros le Soleil nous envoyait qu'un tiers des neutrinos, ce qui était bizarre. Donc voilà. Donc ça a eu une implication avec l'astrophysique, même si c'est pas de l'astrophysique pure. Hein, l'astrophysique c'est de la physique. Donc 2015. 2013, finalement, c'est tous les deux ans. Alors là aussi, c'est de la physique des particules, hein, Englert et Higgs, parce que voilà, le troisième est décédé, évidemment, pour la découverte théorique du boson, donc dit de Higgs. Donc ça, c'est absolument extraordinaire. Et puis les équipes instrumentales d'Atlas et CMS au CERN et au LHC venaient de le confirmer. Donc ça aussi, c'est une très très belle histoire. Donc voilà, bon, physique des particules, mais enfin le boson de Higgs et tout ça, c'est quand même lié à toute la physique et aussi à l'univers primordial. Un petit peu plus lointain, 2011, un prix Nobel pour la découverte de l'expansion accélérée de l'univers. Alors là, c'est assez rigolo parce qu'en fait, c'est une découverte qui nous dit qu'on comprend pas grand chose. D'habitude, les prix Nobel, c'est des découvertes où on comprend des choses. Là, on a découvert l'expansion accélérée, mais on sait pas d'où elle vient. Donc voilà, ça n'enlève absolument rien à la qualité du travail qui a été fait, et justement de ne pas dire qu'il y avait des points déviants ou qu'il y a voilà, des constantes qu'il faut mettre. Et pareil, ils n'ont rien lâché, ils ont fait des programmes très ambitieux de mesures de supernovae distantes. En 2006, nous avions, j'en ai parlé, John Mather et George Smoot, pour donc l'instrument FIRAS à gauche et DMR à droite sur COBE. Donc avec John Mather pour l'aspect vraiment corps noir ultra précis, et puis John Smoot pour l'aspect fluctuation avec son instrument radio. Donc on en a parlé, et voilà, c'est une très très belle découverte, c'était une très très belle manip, effectivement, WMAP. Et John Mather maintenant est impliqué dans le télescope James Webb Space Telescope, le JWST, qui va être lancé dans quelques temps par une Ariane 5 normalement. En 2002, on couronnait donc Davis, Koshiba et Giacconi pour la première chose, c'est les neutrinos cosmiques, et la deuxième chose, c'est les mesures dans les rayons X, voilà, du ciel. Voilà, ça remonte un petit peu, mais là aussi, c'est en fait une nouvelle fenêtre sur l'univers, à la fois spectrale et particules, hein, ce qu'on appelle les astroparticules. En 1993, Hulls et Taylor ont eu aussi un prix Nobel pour finalement la première détection d'ondes gravitationnelles, mais indirectes, en mesurant les pulsars dont la période changeait, et la seule explication, c'est qu'il y avait émission d'ondes gravitationnelles. Donc c'est une observation astronomique qui a montré qu'effectivement, les ondes gravitationnelles étaient émises, même si la détection directe n'était pas possible à l'époque. Ça date des années 74, je crois. Donc le prix Nobel arrive quelques années après. En 83, c'est donc Chandrasekhar et Fowler pour tout ce qui est physique stellaire. Alors là, pareil, ça couronne des années de travail sur la nucléosynthèse stellaire, qui a été un peu le fondement de l'astrophysique d'après-guerre, qui a amené aussi au scénario du Big Bang, hein, parce qu'il a fallu distinguer ce qui s'est passé au moment du Big Bang pour la nucléosynthèse primordiale de ce qui se passait dans les étoiles pour la nucléosynthèse stellaire. Et donc ces personnes ont eu des apports majeurs. En 78,
Alors, j'avais dû dire 76 tout à l'heure, mais en fait, c'est 78. Nous avons Penzias et Wilson pour la découverte du fond cosmologique, l'appareil découverte majeure. Et puis, voilà, Capista pour les techniques de très basse température, qui ont aussi été utilisées, j'imagine, en partie par Penzias et Wilson, puisque leur instrument était le plus froid de l'époque, refroidi à l'hélium. Et puis alors le cas, voilà, je crois que je m'arrêterai là-dessus, le cas du prix Nobel de 74, couronnant une découverte de 68 sur les pulsars. Alors donc Ryle, c'est vraiment un peu l'inventeur de la radioastronomie, de la synthèse d'ouverture, en gros de l'interférométrie. Hein. Et puis Ewish, pour la découverte des pulsars. Alors quand même gros malaise, parce qu'en fait, celle qui a découvert les pulsars, c'est pas Ewish. Ewish était le directeur de thèse, alors bon, il n'a pas démérité, hein. Mais celle qui a découvert, c'est Jocelyn Bell. Voilà, qui est à gauche, prise en bas en 68 quand elle faisait sa thèse et qu'elle a fait la découverte, et puis un peu plus tard en 75. Alors heureusement, l'histoire a rattrapé, et puis elle a eu de nombreux prix, elle a été reconnue, et voilà, tout comme Vera Rubin, etc. Enfin voilà, il y a une réhabilitation voilà, de l'effet Matilda, et c'est très heureux, mais n'empêche que voilà, c'est quand même une grosse tâche que voilà, et oui, juste Ewish ait eu le prix Nobel, et que sa jeune collègue et doctorante Jocelyn Bell n'ait rien eu pour la découverte qu'elle a fait finalement. Donc là, c'est quand même très très craignos, mais voilà, l'histoire est aussi ponctuée de choses comme ça. Et bien, passons maintenant au conseil de lecture. Je vous conseille cette semaine, comme d'habitude, un livre que j'adore, alors qui est un peu difficile à trouver, aux éditions Quae, mais Les sciences face au créationnisme, réexpliciter le contrat méthodologique des chercheurs. Alors, c'est un peu compliqué, mais c'est Guillaume Lecointre, qui vous connaissez peut-être, qui a écrit ça, et qui réexplique vraiment voilà, comment ça se passe. J'ai aussi, j'y pense, un autre livre qui est très bien de lui, mais je ne sais plus où je l'ai mis, qui est présent dans mon esprit. Je tâcherai de vous le retrouver. Voilà, c'est ce que je conseille à mes étudiants, mais bon, bref, tant pis, je le retrouve. Alors, un autre livre que j'aime beaucoup, qui ne concerne pas l'astrophysique, mais qui concerne un petit peu voilà, ce qui se passe après l'arrivée des planètes, hein, voilà, l'apparition de la vie. Et puis Premiers Hommes, donc Pascal Pic, hein, pareil, qui est très connu. Donc ça, c'est chez Flammarion. Premiers Hommes, qui explique voilà, pourquoi les humains se sont fait foutre dehors de la forêt primitive par les singes, parce que les singes étaient beaucoup plus adaptés que les hommes, donc c'était assez rigolo de voir ça. Et puis après, bon, le best-seller qu'on ne présente plus non plus, Sapiens, hein, de Hariri, que j'ai trouvé très très bien, alors un peu culotté et provoquant sur pas mal d'aspects, hein. J'ai mis des notes partout, donc j'ai vraiment adoré ce livre. Alors je le dis d'autant plus que les autres, je ne les ai pas du tout aimés, hein. J'en ai un autre, je sais pas, 21 raisons du 21e siècle, ou je sais pas quoi, alors j'ai trouvé complètement farfelu, mais bref, enfin chacun ses opinions, hein. Mais celui-là, je le trouve très bien documenté, très carré, même s'il y a des aspects voilà, provoquants parfois et un peu rigolos, mais vraiment qui ouvrent l'esprit. Voilà, l'autre, et puis voilà, les autres, je ne suis pas sûr de les conseiller. Mais... voilà, et ben, j'espère que si vous avez d'autres conseils aussi, hein, dites-le, parce qu'après, évidemment, moi, je prends ce que j'ai dans ma bibliothèque, mais je n'ai pas encore le loisir d'acheter d'autres livres en ce moment. Alors, pour les questions et les réponses, eh ben, je vous attends en chat à vos claviers, donc sur le chat YouTube. Je reste quelques minutes à vous répondre. Donc à tout de suite sur le chat. Et puis sinon, donc à la semaine prochaine. Je vais y arriver. Voilà. Fenêtre, voilà. Sinon, on se retrouvera la semaine prochaine. On sera le je sais pas combien au mois de mai. Attendez, je vais vous trouver ça sur mes trop nombreuses fenêtres. On sera le 6 mai 2020, mercredi 6 mai 2020. Et je vous parlerai donc de l'astrophysique au collège et au lycée, en des termes simples et condensés, hein, parce qu'en une heure, je vais faire tout le programme, mais je vais essayer de voir ce que je peux vous dire. Et puis toujours des conseils et des questions-réponses. J'aurai peut-être une guest star qui sera là, c'est pas encore calé, mais voilà, j'espère que ça sera possible. On verra si j'y arrive
avec des collègues en vidéo. Voilà, c'est un petit défi. Eh bien, à la semaine prochaine, portez-vous bien et à bientôt. Et puis, à maintenant, à vos claviers pour les questions et les chats. Voilà. Au revoir, à la semaine prochaine.